2, 1, 2, 3, 4. Qui c'est qui n'épée rien pour attendre? C'est le logarithme n'épée rien. Toi ne perds pas de temps pour l'apprendre. La fonction logarithme n'épée rien. C'est une fonction strictement croissante. Définie sur 0 plus l'infini, cela veut dire que tu ne peux prendre que des antécédents positifs si tu veux calculer ton cher et tendre logarithme n'épée rien. Seulement lui, il a le droit de prendre quand x est entre 0 et 1 des valeurs négatives qui peuvent descendre presque jusqu'à moins l'infini, car la limite quand x tend vers 0 à droite de ln de x, c'est moins l'infini. Qui c'est qui n'épée rien pour attendre? C'est le logarithme n'épée rien. Et moi je chante à qui veut l'entendre la fonction logarithme n'épée rien. Si toutefois tu souhaites faire tendre les antécédents, les x, vers plus l'infini, même si c'est pas avec une grande pente, le logarithme tend aussi vers plus l'infini. Et pour dériver ta chère et tendre fonction logarithme n'épée rien sur r plus étoile, il faut s'entendre. Quand tu la dérives, elle devient, je sais, ça peut peut-être surprendre de tomber sur x puissance moins 1, la seule puissance de x qu'on ne peut intégrer à l'aide des autres puissances. C'est bien pour cela qu'on a dû prendre, pour la fonction inverse qu'on connaît bien, une primitive baptisée du tendre, nom de logarithme n'épée rien. Mais sur laquelle pouvait-on s'entendre? Elles sont définies à une constante près. On a choisi de lui faire prendre la valeur 0 lorsque x vaut 1. Ça peut pas toujours rimer. Une autre chose qui peut nous surprendre à propos du logarithme n'épée rien, c'est de savoir que sa fonction réciproque, c'est l'exponentielle qu'on connaît bien. Leur courbe s'admire dans le miroir de la première bisectrice. Le nom qu'on donne, c'est à savoir à la droite d'équation y égale x. Alors que reste-t-il à apprendre sur la fonction logarithme n'épée rien? Que dans une équation, tu peux prendre de chaque membre le logarithme n'épée rien, à condition que tous les membres soient bien des nombres strictement positifs. Si l'inconnu est prisonnière de l'exponentielle, tu peux en délivrer les captifs. Voilà à quoi sert la chaire étendre fonction logarithme n'épée rien. On l'utilise aussi avec les puissances. La fonction logarithme n'épée rien. Si un nombre est à la puissance x, un nombre a strictement positif, il est égal à exponentielle de x, x multiplié par ln de a. Les autres logarithmes dépendent de notre logarithme n'épée rien. En chimie, pour le pH d'une bande, on utilise, tenez-vous bien, ce qu'on appelle le logarithme décimal, celui qui nous dit combien vaut x lorsqu'on connaît la valeur. C'est pas mal, 2 10 puissance x, 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 x. Sinon tu dois savoir que tu peux prendre le logarithme n'épée rien dans une inéquation quand les membres sont strictement positifs. On s'entend bien, pas besoin de changer le sens des inégalités quand on compose par une fonction strictement croissante. L'ordre est respecté, à savoir sur notre chair et tendre fonction logarithme n'épée rien. Imaginons que l'on veuille prendre la composée par le logarithme n'épée rien d'une fonction à valeur positive et qu'on souhaite la dériver. La formule quand tu la dérives de ln de u prime, c'est u prime sur u. Si tu invites ta chair et tendre fonction logarithme n'épée rien dans un café, n'oublie pas de prendre
car le logarithme ne paie rien. Ton portefeuille pour régler l'addition. À propos d'addition, j'ai oublié de dire que ln de A plus ln de B, ça fait ln du produit AB. Le pouvoir magique, ça peut surprendre. De la fonction logarithme n'est pas rien. C'est que lorsque tu souhaites prendre le logarithme d'un produit, il devient une somme, ça il faut l'apprendre. Et aussi le log de 1 sur x, ça vaut moins ln de x. Et le log de a sur b, ça vaut ln de a moins ln de b. En effet, elle a de quoi surprendre, la fonction logarithme n'est pas rien. Parfois il y a de quoi se méprendre. Avec le logarithme n'est pas rien. De quoi s'en mêler dans les méandres de ces règles de calcul. Si je vous dis que log de a à la puissance n vaut n ln de a. Je ne sais pas comment terminer cette chanson. Sur le logarithme n'est pas rien. Il me faut prendre la décision de dire le mot fin.